Méditation et soins collectifs pour honorer le solstice d'hiver, le passage vers la lumière croissante. Lors du portail de ce 21 décembre, trouvez un endroit tranquille où vous pouvez vous installer confortablement. Et puis vous fermerez doucement les yeux. Déjà, écoutez les mots suivants. Pour vous préparer à cette méditation particulière. À l'heure où je vous parle, bon nombre d'entre nous ont encore leurs pensées, ou dans le passé, ou dans le futur, hier et demain. Et pourtant, ici et maintenant, je vous propose un temps d'arrêt, un moment de pause et de réelle présence à ce que vous faites, à ce que vous êtes. Restez conscient lors de cette méditation. Mesurez la puissance de votre énergie, la puissance de votre cœur ouvert, de vos oreilles attentives. Et la manifestation des ressentis. Il s'agit d'être présent. Et c'est le cadeau que vous choisissez de vous faire d'abord à vous-même. Et comme cette méditation est aussi un soin collectif, cette pause en nous permet au monde extérieur à faire une pause lui aussi. Nous en serons tous les bénéficiaires. Alors si ce n'est déjà fait, fermez doucement les yeux et prenez quelques instants pour vous centrer sur votre respiration. Pour installer le calme en vous. Et j'appelle déjà l'énergie d'amour universel pour ce soin collectif. J'installe aussi les balises de protection autour de nous, entre nous. Laissons l'amour et la lumière prendre sa place au sein de notre cercle. Voilà. Soyez chacun conscient de votre présence, de votre corps énergétique, de vos vibrations. Et de votre essence intérieure qui transcende le temps et l'espace. Nous faisons partie d'un tout et nous sommes tous reliés. Et chacun d'entre nous
peut visualiser sa propre énergie comme un halo lumineux qui émane de notre être. Vibrant avec l'environnement. Et ce halo lumineux qui émane de notre être est en harmonie avec les cycles naturels de la Terre et de l'univers. Lors de chaque expiration, laissez aller tous vos soucis. Toutes les préoccupations du quotidien. Mettez de côté l'urgence et les pressions extérieures. En dehors de votre corps physique. En dehors de votre corps émotionnel. Et même plus loin. En dehors de votre corps énergétique. Accordez-vous le cadeau de ce moment présent, où le temps ralentit pour vous permettre de vous immerger pleinement dans l'instant. Accordons-nous tous ce cadeau maintenant. Pour notre plus grand bien et celui de l'humanité. Prenez conscience des nombreux changements qui se sont opérés en vous ces derniers mois, ces dernières années et autour de vous. Prenez conscience de toutes ces transformations nécessaires pour évoluer vers un monde meilleur. Et tout en reconnaissant ces défis, maintenant vous vous accordez la permission de faire une pause, de savourer la vie. De cultiver l'espoir pour un avenir lumineux. Visualisez le solstice d'hiver comme un seuil, une transition de l'ombre à la lumière. Vous tous, travailleurs de lumière, guerriers, piliers de lumière, êtres de lumière, ressentez l'équilibre entre les forces opposées. La nuit la plus longue, avant que les jours ne rallongent à nouveau. Et sentez cette énergie s'équilibrer en vous. Tout commence par votre propre équilibre intérieur.
dans cet espace de paix et de connexion. Ouvrez votre cœur à la lumière de l'espoir. Et durant les prochaines minutes, imaginez un monde empreint de compassion, de compréhension mutuelle et de guérison. Ressentez la force de cette vision et laissez-la nourrir votre être intérieur. Pour rayonner ensuite. Laissez faire quelques minutes. Ensemble, nous prenons tous un temps pour simplement être, pour ressentir notre énergie, pour nous connecter à l'équilibre du solstice, pour respirer l'air chargé de potentiel et expirer maintenant l'espoir et la lumière. Le cœur ouvert vers la terre, vers tous les êtres vivants de la terre, vers toutes les énergies de la terre. Rayonnons tous ensemble cet espoir et cette lumière. Et je vous dirai quand il sera temps de revenir à la pleine conscience de notre réalité physique.
Merci. Revenez doucement à votre présence. En tant qu'être humain, vous faites partie de cette humanité qui change et vous savez qu'il y a d'autres règnes. Le règne minéral, le règne végétal, animal. Avec humilité, reprenez votre responsabilité de rayonner. Aujourd'hui et demain, reprenons cette responsabilité de nous arrêter pour être conscients du présent, de notre énergie, pour être pleinement présent et c'est ainsi que commence le soin de soi et le soin de l'autre. Le soin de la terre et le soin de l'humanité. Vibrons ensemble la gratitude de ce moment partagé. Et il est temps de revenir à la pleine conscience de notre réalité physique. Quand vous vous sentez prêt, prenez quelques respirations profondes en ressentant la gratitude pour ce moment de paix et de connexion. Et ramenez lentement votre conscience à votre corps, la tête, les épaules, la poitrine. Le ventre et les jambes. Remuez les pieds délicatement. Et quand vous le sentez, ouvrez doucement les yeux, imprégné de cette énergie de transformation et d'espoir.